Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au lundi 26 septembre. Récompenses présentes et futures. Lisons Job 19, le verset 25. Job 19, verset 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Si les amis de Dieu doivent s'attendre à des tribulations et à des chagrins en ce monde, ils connaîtront aussi la joie ici-bas et dans le monde à venir. Alors que la grande récompense finale est accordée au moment de l'avènement du Christ, tout service sincère accompli pour Dieu apporte une récompense déjà dans cette vie. L'ouvrier devra faire face à des obstacles, à l'opposition, à l'amertume, au crève-cœur. Il ne verra peut-être pas les fruits de son travail. En dépit de tout cela, il trouve une récompense bénie dans le fait de pouvoir travailler. Tous ceux qui s'abandonnent à Dieu dans un service désintéressé en faveur de l'humanité communient avec le Seigneur de gloire. Cette pensée adoucit l'effort, fortifie la volonté, ranime l'esprit dans n'importe quelle circonstance. Aujourd'hui, l'Église est militante, mais le jour vient où la lutte sera achevée, où la victoire aura été remportée. Alors les rachetés ne connaîtront plus d'autre loi que celle de Dieu. Tous seront rassemblés en une famille heureuse et unie, ayant revêtu la robe de justice du Christ. La nature entière, éclatante de beauté, offrira au Seigneur un tribut de louange et d'adoration. La terre sera baignée de la lumière céleste. La lune brillera comme le soleil et celui-ci sera 7 fois plus puissant qu'aujourd'hui. Les années s'écouleront dans la joie. Les étoiles du matin éclateront en cris de triomphe, tandis que Dieu et le Christ proclameront que le péché et la mort ont disparu pour toujours. Imaginez que vous êtes à l'aube de l'éternité et que vous entendez les paroles de bienvenue adressées à ceux qui, en cette vie, ont collaboré avec le Christ et considéré comme un privilège et un honneur de souffrir pour lui. Les enfants de Dieu s'uniront à eux pour louer celui qui mourut, afin que les hommes puissent jouir d'une vie égale en durée à celle de Dieu. Les luttes sont terminées, les tribulations ont pris fin. Les chants de victoire remplissent le ciel, tandis que les élus, debout près du trône de Dieu, entonnent ce refrain joyeux. L'agneau qui a été immolé est digne, il nous a rachetés pour Dieu. Sois patient, soldat chrétien. Encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra. La nuit de l'attente lassante, de la vigilance et de l'affliction est sur le point de se terminer. La récompense sera bientôt accordée. Le jour éternel va se lever. Remue-ménage, passez-vous par une période difficile en ce moment? Que représente l'histoire de Job pour vous? Un défi ou un réconfort? Expliquez. Job était l'ami de Dieu. L'êtes-vous? Comment le savez-vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage.